Et adieu mes marlots, aujourd'hui une nouvelle vidéo de dégustation de bière. Je sais que ça vous a manqué, donc on s'est dit tiens, on va faire ça par ces temps de chaleur d'été. Donc du coup j'ai avec moi les bonnes vieilles Atlas et Navigator. Donc voilà, deux bières classiques très fortes. Le Navigator est à 8 degrés et l'Atlas est à 7,2 degrés. Désormais, on va procéder à l'ouverture. C'est pas sûr, ouais. Maintenant, on va verser les bières dans les verres. Voilà, la première bière est versée. Voilà, Atlas versée dans le verre. Donc pour comparer ces deux bières, nous allons utiliser le barème suivant, à savoir packaging, texture, goût, couleur, odeur et prix. On va du coup commencer avec le packaging. Donc du coup entre la Navigator et la Atlas, ouais c'est kiff kiff, mais franchement je préfère de loin la Navigator qui est vraiment simpliste. Il n'y a vraiment pas besoin d'avoir tout ce bordel farfelu. Donc oui, pour moi le point revient à la Navigator. Donc on va maintenant voir la couleur, donc celle-là étant l'Atlas et celle-là étant la Navigator. Franchement c'est kiff kiff. On dirait que celle-là a l'air un peu plus claire. Hein. Donc pour la couleur je pense que je vais aller pour la Navigator. Maintenant pour l'odeur. La Atlas a l'air bien plus... Ça sent moins, donc ça a l'air un peu plus doux. Et moi, bon, je préfère la douceur. Donc le point va revenir à l'Atlas. Et pour les points de texture et de goût, je vais goûter ces deux bières. Donc on va commencer par la Navigator. Ouais, elle est forte. Pas mauvaise, mais... la Atlas est beaucoup plus acide. Oui, en fait, c'est bel et bien la Navigator qui est plus douce que la Atlas. Je suis surpris. Parce qu'au niveau de l'odeur, c'était absolument l'inverse. Surtout que la Atlas est à 8, est à 7,2 et l'autre est à 8. Donc c'est censé être la Navigator qui est plus forte. Ouais, c'est bizarre. Hein. Ok. D'accord, c'est une agréable surprise. Eh bien, au niveau de la texture. Ouais, je préférais la Navigator qui est plus douce, autant sur le goût que sur la texture. Donc les points goût et texture reviennent à la Navigator. Donc au niveau du prix, nous avons la Atlas qui est à 1,01€ et la Navigator à 1,30€, toutes les deux pour 50 centilitres. Donc le point de prix reviendra à Atlas. Donc du coup c'est un écrasant 4-2 pour la Navigator. Je préfère les bières qui sont un peu plus douces, donc forcément pour moi ça va faire toute la différence. Surtout qu'elle est pour moi plus facile à boire, donc pour toutes ces raisons je déclare que c'est un Navigator qui gagne ce tournoi. Ceci dit, la Atlas n'est pas mauvaise, mais pour moi elle est trop acide et c'est pas ce que je préfère dans les bières. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, de suivre l'Instagram, nous publions des photos et vidéos des tournages, donc n'hésitez pas à aller voir, c'est du bonus, c'est pour vous. Et n'hésitez pas à laisser pouce bleu et commentaire sous cette vidéo et les suivantes. Merci et à la prochaine.